Aujourd'hui, nous sommes à l'agence Rexel Nanterre pour la pose de deux bornes de charge, dans le but de développer l'électromobilité au sein même de cette agence. Les différentes étapes sur l'installation sont les suivantes. Le passage de câble entre la borne de charge et le tableau électrique, le raccordement du disjoncteur, du différentiel et de la bobine NX ou MNX en fonction du constructeur, côté armoire électrique. Côté borne, le raccordement sur les prises. La réglementation dans le tertiaire est assujettie à la NFC 1500. Elle nous impose notamment de s'assurer d'avoir des disjoncteurs avec des pouvoirs de coupure suffisants, un schéma de liaison linter conforme, mais également de modifier le schéma présent sur le tableau électrique. Le choix de la borne est fonction du besoin du client. À l'agence Rexel de Nanterre, nous avons une borne de 22 kW, on parle de charge accélérée, mais également une borne 7 kW, une charge normale. Il s'agit de bornes connectées, nous avons la possibilité de réaliser du télépaiement, mais également de la télémaintenance à distance. Aujourd'hui, les bornes électriques sont assujetties au certificat d'économie d'énergie, qui permettent de financer son installation.